cabaret du répertoire classique. Flipote de Tartuffe, Dame Claude de Lavare, une dame d'Atour de Rubens, une femme du peuple dans Crinqueville. Elle servit avec un même bonheur les auteurs contemporains. Je conclurai en citant la grande Sarah Bernard, qui, littéralement fascinée, la voyant concourir au conservatoire, laissa tomber du plus profond d'elle-même ces simples mots « Oh là là !» Incomparable, diseux. C'est dans une fable de La Fontaine que nous l'entendrons ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre grande Rachel Leonora Robertine Hirsch. Ha ha ha!
famine. Elle vient de le dire, ça. Elle a là crié. J'ai la petite fourmi. Sa copine. Voici. Vous allez me laisser tranquille. Hein. On est en 74. Alors, la priant de lui prêter quelques bras pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant le loup, sale animal. Ah. Tranquille. Non. C'est moi. Imbécile. Ah ben, je sais plus maintenant. Voilà. La petite fou. La fourmi n'est pas prêteuse. Non, 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 non. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette quémandeuse. Emprunteuse. Quémandeuse. Emprunteuse. Quémandeuse. Vous savez ce que c'est que les assemblées générales? J'ai déjà assisté à un comité, il faudrait peut-être faire attention pour la fin de l'année. Quelle mordeuse! Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. La, 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 la. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Isabella Gianni, Agnès, la nouvelle. Quelle nouvelle? Oh, le petit chat est mort. Non, bah, c'est dommage. Hein. Nous sommes tous mortels. Et puis chacun pour soi. Madame. Puis bon, alors c'est assez, je parle. Allez, obéissez. Allez. Il me semble, Charon, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu qu'on n'engageât personne.